Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité, vous nous suivez de partout. Nous sommes en tout cas le mercredi 26 juin 2023, nous recevons Mouinouka Espoir, notre invité habituel Congo Live TV. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Bien réveillé. Oui, bien réveillé, malgré ce que les acteurs de la société civile ont reçu comme mauvaise nouvelle, mais quand même, nous sommes tous concentrés et ça va. Procès Mouagachouchou, James Kabarebe m'avait appelé pour rejoindre le M23. Je lui ai dit, je suis sénateur, je ne peux pas suivre les bandits. J'ai appelé les autorités supérieures pour alerter ma sécurité quand j'étais à Goma. C'est le général Awashango qui était venu chez moi. Je lui ai dit que je ne me sentais pas en sécurité, a déclaré le prévenu Edouard Mouagachouchou. En fait, moi, comme je vous ai toujours dit, le procès Mouagachouchou, c'est l'arbre qui cache toute une forêt. Et voilà, il y a encore d'autres révélations. Au début, il disait qu'il n'a jamais été en contact avec les M23, qu'il n'a jamais été contacté par qui que ce soit parmi les grands maîtres des M23. Et voilà, aujourd'hui, il confirme qu'il a été en contact avec Kabarebe, quoique il aurait refusé l'offre de Kabarebe. Mais cela prouve que il est toujours en contact permanent, d'ailleurs, avec le Rwanda, à travers M. James Kabarebe. Et c'est là qu'ils disent que non, le Rwanda n'a jamais agressé la RDC, les M23 sont des Congolais. Voilà l'un d'eux qui vient de dire que Kabarebe leur avait contacté pour dire que depuis les agressions de la RDC, c'est Kabarebe qui les organise, c'est Kabarebe qui les coordonne. Et moi, je dis honte à ces personnes-là que nous voyons passer par des médias, honte à ces personnes-là que nous voyons sur les Twitter, Dijar Sugira Merveille, Dijar Top Kivu, Dijar Goma 24, Territoire Rutshuru, je ne sais pas quoi. Honte à eux, ils se disent qu'ils sont des Congolais. Je ne sais pas comment la guerre organisée par les Congolais peut être coordonnée par un criminel de haut niveau. Les personnes qui étaient même dans l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Voyez-vous. Et moi, j'ai dit courage à ces jeunes qui combattent, à ces jeunes qui ont refusé que leur république soit récupérée par les génocidaires sanguinaires terroristes RDF 23. Et pourquoi les gens n'écrivent pas à Mouagachouchou? Écrire à Mouagachouchou comment? Ne crois pas. Non, qui peut croire? Lorsque vous êtes en contact avec Kabarebe, mais comment voulez-vous que nous puissions vous croire? Mais Kabarebe fit commandant disons, le chef d'état-major. Mais nous savons comment est-ce qu'il a été chef d'état-major au Congo et au Rwanda. Et nous savons quand M. Laurent Désiré Kabila avait dit à ses sanguinaires génocidaires de rentrer chez eux, vous savez ce qu'ils avaient organisé au Nord Kivu. Et vous savez comment est-ce qu'ils avaient. Ils sont parmi les gens qui auraient prémédité la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Et puis, comment voulez-vous que nous puissions croire à une personne qui était en contact avec ces criminels? Mais personne ne peut croire. Nous, on demande qu'à la justice de faire son travail. Si la justice s'était précipitée de les libérer, personne ne pouvait comprendre qu'il était en contact avec Kabarebe, puisqu'il les niait au début. C'est que ses rêves au vice continuent toujours à produire des preuves et preuves. Au finish, il va dire qu'il était aussi en contact avec Kagame. Quand on parle de Kabarebe, c'est le conseil spécial, je crois, en matière de sécurité du président Kagame. Ouais, il a dit qu'il avait reçu les coups de fil de Kabarebe. Nous ne savons pas, ils avaient parlé combien de minutes. Nous ne savons pas si réellement il aurait dit qu'il ne peut pas suivre les bandits. Puisque ce sont ses collègues d'armes, et il faut le préciser. Ce sont ses collègues d'armes, ce sont les personnes avec qui ils avaient un jour bouffé ensemble.
Ce sont ses collègues avec qui ils avaient comploté pour avoir ce gisement de coltan qui fait de lui aujourd'hui le roi du coltan du Nord Kivu. Je ne crois pas. Moi, je crois que Kabarebe lui aurait rappelé. Souvenez-vous que si vous avez aujourd'hui le titre du roi du coltan, c'est grâce à nous. Je crois qu'ils auraient eu d'autres accords qui ne veulent pas nous dire. Que la justice fasse mieux son travail. Plusieurs politiciens arrêtés bénéficient en tout cas actuellement des libérations provisoires. On a vu Biselele libéré. Il y a aussi des tractions, c'est ça, au côté Kabunda aussi qui doit être libéré. Il devrait être libéré depuis hier. On sait bien qu'il y a eu les avocats du député Mwanga Tchoutchou qui ont vraiment aussi sollicité une liberté provisoire pour leur client. Mais pourquoi la justice n'arrive pas à l'accorder aussi au député? Vous savez, la liberté, ce qu'on nous dit en droit, la liberté, c'est la règle. L'incarcération, mais l'arrestation, c'est l'exception. Et il faut bien comprendre qu'on ne donne pas la liberté provisoire pour donner la liberté provisoire, non. Et on ne peut pas donner la liberté provisoire à tout le monde, surtout à des personnes ayant à des traits qui montrent vraiment leur mauvaise foi qu'ils peuvent fuir, d'aider les personnes qui montrent qu'ils peuvent parvenir à flouer les preuves ou bien ils peuvent influencer les témoins de choses. Ces gens ne doivent pas bénéficier de la liberté provisoire. Il y a beaucoup de critères qui ne peuvent pas pousser que quelqu'un puisse bénéficier de la liberté provisoire. De même que tous nous avons droit à une liberté provisoire, voyez-vous. Ça dépendra de l'appréciation du juge, point barre. C'est que moi, je ne peux pas influencer pour la liberté provisoire de tel ou tel autre, de même que je ne peux pas influencer pour que la personne ne puisse pas avoir ou bien obtenir la liberté provisoire. Ça dépend du juge, c'est au juge d'apprécier. C'est au juge d'apprécier. Peut-être qu'ils ont vu qu'avec Biselele, ça ne valait plus la peine de rester, de lui laisser en détention. Je ne sais pas quoi, c'est déjà réparé. Vous savez, qu'est-ce qui se dit en droit? On dit, donnez-moi les faits, je vais te donner les droits. Ça veut dire? Oui, c'est que c'est au parti défenderesse de défendre son client. Et de même qu'à la partie demanderesse de bien prouver. Ça s'est dit, la charge incombe. Biselele était innocent. Je ne l'ai jamais dit. Non, la justice l'a prouvé. Si la justice l'a prouvé, c'est la justice qui l'avait acquise, qui l'avait arrêté. Et si la justice parvenait à le blanchir, mais où est ma place dans tout ça? Mais il faut comprendre que son avenir politique est flou. Puisque je ne vois pas qu'il... À cause de ces vidéos? Non, c'est pas ces vidéos seules. On croit d'abord que c'est un immoral, ça c'est un point. De deux, son avenir politique est flou, puisque moi, jusqu'à la fin de mes jours sur la planète Terre, je vais mettre à moi que c'est un traître. C'est ce que la justice nous avait dit. C'est ce que, quand on l'accusait, on nous avait dit que c'est un traître. Il a trahi la République. Et voilà, vous savez, c'est que j'ai suivi la fois dernière parmi les hauts cadres de la République avaient dit, il faut éviter la politique d'arrêter et de libérer. On arrête, on libère, on arrête, on libère. Non, cela prouve que notre justice n'est pas aussi une justice qui doit inspirer un homme congolais. Non, notre vocation n'est pas seulement de chercher l'argent dans tout, non. Parce que ça se prouve maintenant que nos juges sont, ils ne sont là que pour chercher leurs intérêts propres, mais pas pour les intérêts de la République. Peut-être puisque il y a beaucoup de juges qui ont été nommés en cascade par Kabila à l'époque, sans formation. Il y a d'autres, vous rappelez d'ailleurs, qu'il y a certains juges qui ont été chassés. Même Kabila l'avait fait, Kabila jeune, mais il y a d'autres qu'on avait laissés. C'est quand même à Goma, il y en avait. Et ces juges ne croyaient pas qu'ils peuvent changer leur comportement. C'est l'argent seulement. Mais ils oublient une chose, que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Ce sont les écrits, les saintes écritures de la République qui les dit. C'est rendu au nom du peuple congolais. Mais lorsque vous rendez des jugements
qui ne coïncide même pas avec les valeurs de la RDC, avec les inspirations, bien la volonté du peuple. Comprenez que ces jugements ne concernent en aucun cas les citoyens lambda dont nous faisons partie. Mais oui, il fallait qu'il y ait des jugements qui coïncide avec la volonté du peuple. Et c'est ce que nous allons accepter. Non, ce n'est pas le peuple qui acquise. Non, même si ce n'est pas le peuple qui acquise. Non, non. Ces magistrats sont nommés au nom du peuple. Non, c'est le chef de l'État qui nomme. Non, le chef de l'État nous représente. Il nous représente. C'est que tout ce qu'il doit faire, doit rencontrer. Où? Il nous représente où? Mais partout. Même chez Dieu. Oh. Mais oui. Le premier chrétien dans une république s'appelle le chef de l'État. Tshisekedi. Mais oui, c'est pas, je parle dans une république, ce n'est pas au Congo seulement. Oui, on est au Congo. Dans une république s'appelle le chef de l'État. C'est que c'est lui qui doit représenter son peuple. C'est lui qui doit défendre son peuple. C'est lui qui doit combattre pour son peuple. Sur tout le plan, que ce soit spirituel. Guides, soit, c'est lui. Normalement, ce qui doit se faire, c'est qu'il est... Il est le chef des opposants, il est le chef des indépendants comme moi, il est le chef... C'est son droit, c'est un statut lui conféré. Il est le premier citoyen. Le guide des Congolais, le Moïse, alors. C'est pas le Moïse, ne me faites pas avaler ce que je vais dire. Non, je parle en termes de représentation. Oui, je parle guide, en termes de ce que devrait être. Et ce qui s'est fait. Avec ce conseil de César. C'est conseil moral. C'est pas lui seul, ils sont nombreux. L'immoralité a été quand même un seuil incalculable chez nous. On va nettoyer les vous avez vu, vraiment, il faut nettoyer les fichiers. Que ce soit même à l'école primaire, vous voyez les enfants. Que ce soit à l'école secondaire, vous voyez les enfants. Que ce soit vos influenceuses, vos tiktokeuses, vous voyez ce qu'ils font. Ah ben, il faut quand même revoir nos cours d'éducation civique et morale. Peut-être comme on va recommencer comme bientôt il y aura l'ouverture de l'année scolaire, peut-être qu'il faut quand même revoir certaines données de nos programmes. Les raisons, en tout cas, il faut d'abord préciser que les temps continuent à se resserrer contre les Rwandais. Les réseaux des citoyens pour un avenir à tous, RCA, Asbel, a organisé hier mardi un sit-in devant l'ambassade de la France à Kinshasa pour exiger de la France des sanctions économiques et financières contre les Rwandais, pays agresseur de la RDC. Les manifestants ont exigé des sanctions contre le président Kagame et les dignitaires de son régime et demandé en tout cas l'isolement diplomatique du Rwanda en tenant compte de la sphère d'influence de la France, a expliqué le coordonnateur de la RCA, Marcelé Basilembe, à la radio. Non, c'est... Ne lâche pas, hein. C'est une bonne chose. La population... Vous savez, quand nous on avait commencé cette guerre, nous on pensait à tout prix que nous serons les seuls dans cette histoire. Mais quand même, on a compris, on se félicite tous. On félicite la population en général, surtout ces jeunes qui commencent à prendre conscience. Nous voulons voir même les autres là qui accompagnaient Mwanga Tshutshu à Kinshasa aussi prendre part dans ces assises, pourquoi qu'ils ont les mêmes patrons à Kigali. Mais nous voulons quand même que toute la population puisse s'approprier ces combats. Mais aussi, nous devons aussi interpeller nos autorités. Parce qu'il y a des actions que nous menons, des actions qui ne reviennent pas à notre compétence. Mais nous les faisons puisque c'est notre République qui est en danger, c'est l'avenir de nos mamans, c'est l'avenir de nos petites sœurs, c'est notre avenir qui risque d'être hypothéqué si on ne se mobilise pas. Et c'est pourquoi nous disons à cette population, c'est pourquoi nous disons à ces jeunes d'aller plus loin que ça. Et nous voulons quand même que nous puissions fédérer nos actions, que ce soit les hommes politiques, que ce soit la société civile, que ce soit les citoyens lambda, les citoyens de la dernière pluie que nous sommes, que nous puissions tous nous mettre ensemble pour finir à mettre l'ennemi à l'extérieur. Parce qu'on a compris, nous nous battons ici à l'intérieur, mais l'ennemi a déjà planté ses décors sur le plan international et nous devons attaquer ce plan. Nous demandons même à nos compatriotes qui sont
à l'extérieur du pays, notamment notre diaspora, d'emboîter ses pas. Voilà, notre communauté internationale qui ne cesse aussi de combattre l'ennemi. Nous voulons que lorsque nous allons encore lancer l'ego, que nous puissions encore le faire tous d'une manière générale comme nous l'avions fait au début. Parce que l'ennemi occupe encore Bunagana, l'ennemi occupe encore une partie de Rutshuru, une partie de Masisi, une partie de Nyiragongo. L'ennemi et ses partenaires de l'EAC, ils occupent encore ce parti. Et comprenez, on avait donné 3 mois à l'EAC. Les 3 mois vont finir ici, en août, si je ne m'abuse. Et là, nous allons lancer l'ego une fois pour toutes. Préparez-vous, chers jeunes, chères mamans, parce que nous voyons même en France des petites filles aussi dans la rue. Nous voyons en France même les personnes de la troisième âge dans la rue. Mobilisez-vous aussi. D'ici dans les jours à venir, si Dieu nous prête encore vie, nous allons encore recommencer ce combat. Nous ne sommes pas en trêve comme les militaires, mais nous sommes en pleine préparation des activités. Et voilà même nos compatriotes à Kinshasa. C'est qu'il faut, il faut qu'il y ait une mobilisation générale à l'interne comme à l'extérieur, et nous allons gagner l'ennemi une fois pour toutes. Mais dans l'entretemps, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre compatriote qui a été assassiné au Rwanda, monsieur le musicien ici, Mihigo, il aurait eu déjà 42 ans. Malheureusement, les Rwandais. S'il vous plaît, il a si comment. Mais c'est un jeune c'est africain. Votre compatriote. Exactement, africain. Vous savez, notre philosophie, chez nous, la lutte RDC Afrique, notre philosophie, l'Afrique, c'est un pays. Ah. C'est un pays. Mais il y a des Africains originaires de telle partie, des Africains originaires de telle partie. Moi, je suis Africain originaire de la RDC. Et Mihigo, c'est un Africain originaire du Rwanda. C'est pourquoi nous pensons, avec la philosophie qu'avait Kadhafi, l'Afrique comme un seul État, c'est là où nous autres nous allons. Et nous allons arriver à cela. Le sérieux problème, ce sont certains dirigeants qui ne comprennent pas. Notamment Kagame Museveni et l'autre qui s'ajoute ici, l'homme d'un pio d'ici, Sassou Nguesso. Ces gens ne comprennent pas l'Afrique. Ces gens ne veulent pas comprendre l'Afrique de demain. Mais ces gens ne veulent pas laisser... C'est un peu c'est ça, monsieur Mouino, quand on y a vu. Pourquoi les gens ont tendance toujours de pointer, de demander, vous pointer, vous accuser la France, et puis vous courez vers la France, parce que quand ces jeunes, par exemple, disent que... parce que ceux qui ont manifesté hier devant l'ambassade de la France, c'était pour exiger de la France des sanctions économiques et financières contre les Rwandais. C'est la France qui mais, le décide. Mais qu'est-ce que ces jeunes demandent? Ils ont dit à la France de le faire, puisque la France, c'est parmi les grands parrains du Rwanda. C'est parmi les personnes qui octroient des millions et des millions à l'armée rwandaise. Et nous, vous savez, ce qui est sûr, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, ni le peuple français, nous n'avons pas de problème avec eux. Et pour ne pas tomber dans leur philosophie de vouloir qu'il y ait de problèmes, nous, on leur dit d'une manière claire qu'ils disent à leurs partenaires de sanctionner leurs amis. Point barre. Et c'est ce qu'a exigé cette jeunesse. Mais s'ils ne veulent pas comprendre, nous, puisqu'on dit l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Bon, d'accord. Et comme notre ennemi, c'est Kagame, et que Macron, c'est son ami, c'est que ni Macron sera aussi notre ennemi. Ok, on ouais. finit par cette actualité aussi. Le parti Ensemble pour la République, c'est le plus grand espoir du Congo. Actuel. Il n'y a pas un autre deuxième espoir. Certes, l'opposition incarne un plus grand espoir, mais une grande partie de cet espoir, c'est Ensemble pour la République. Les choix que nous avons portés ensemble, c'est parce que ce parti est pragmatique, patriote, parti rempli de patriotes, un parti avec une vision claire pour notre pays et le partage des ressources. Le parti Ensemble de Moïse Katumbi. Ouais, tu savais, il y a ce que les gens oublient. Et là, je ne passe pas l'eau de la cuillère.
Je peux être ton ami, oui, je peux. Ouais, vous riez, mais c'est ça. Ok, ça va. Je peux être ton ami, je peux te soutenir comme un novice en politique ou bien un jeune à qui nous croyons, mais je ne crois pas à ton leader. Et il faut comprendre. Il faut comprendre. Ça sera décevable. Est-ce que je peux finir? Si les jeunes aussi peuvent commencer à faire l'apologie des politiciens qui ont détruit la RDC. Et ça, je crois, le message est lancé. Et l'ami va comprendre. Moi, je ne peux pas croire à l'ensemble. Non, c'est l'ensemble où il y a l'espoir de la République, tant qu'il y a Katumbi aussi, qui a contribué à la destruction de la RDC. Je ne le crois pas. Tant qu'il y a aussi d'ensemble, il y a des aventuriers de mauvais goût qui ont détruit la République avec Kabila. Moi, je crois que l'espoir de la RDC n'est pas seulement chez Ensemble, chez l'IDP, chez l'Union Sacrée plutôt, je ne sais pas ce qui non. L'espoir de la RDC repose à la destinée et à la détermination de la révolution de la population congolaise. Puisque les aventuriers sont partout. Les aventuriers sont dans les trois côtés. Et nous devons sanctionner les aventuriers, puisque notre seule manière de sanctionner les aventuriers, c'est par le vote. C'est ça notre voie légale pour sanctionner. Mais lorsque vous commencez à faire les apologies, bon, je crois que ce sont des propagandes. D'accord. Un message à nos forces armées de la RDC. Soutien total. Nous demandons quand même aussi... Puisqu'il faut savoir une seule chose. Quand on parle aussi de nos forces armées, il faut parler aussi de ces politiciens qui ne veulent pas que nos forces armées puissent mieux faire leur travail. Notamment... les ingérences politiques faites par certains ministres, certains conseillers du chef de l'État, certains amis proches, de je ne sais pas de qui et qui, mais nous garantissons, nous, la population, notre soutien total à notre FRDC et nous mobilisons toujours les jeunes, puisque je crois qu'encore d'ici peu, on va lancer les recrutements. Nous appelons les jeunes d'intégrer massivement les jeunes licenciés, les jeunes diplômés, les jeunes techniciens, puisque nous avons même besoin de militaire au sein de l'armée, intégrer notre armée pour que nous puissions bouter l'ennemi à l'extérieur. Mais aussi nous rappelons à notre armée que Bunagana se trouve encore dans les mains de ces terroristes M23 et leurs partenaires de l'EAC. Vous devez comprendre que c'est vous notre espoir. Avec Dieu, nous allons gagner cette bataille nous imposée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé sur Congo Live. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye.